Soit la conférence terminée. Bonne conférence. Bonsoir, je vais essayer de parler fort avec ma petite voix et je voulais déjà vous remercier d'être venu ce soir pour cette première conférence. Nous sommes très heureux donc de vous accueillir. Je remercie tout d'abord nos hôtes de l'Hôtel Dieu qui nous ont fait le grand honneur de nous accueillir ici pour ce cycle de conférences qui auront lieu toute l'année. Alors, en 2010, Art dans la Cité fête ses 10 ans. C'est une association, comme vous avez pu le voir sur les documents qui vous sont distribués, qui existe donc depuis 10 ans avec pour objectif d'introduire les arts visuels contemporains à l'hôpital. Donc, tout au long de cette année 2010, dans le cadre de nos 10 ans, nous avons décidé de mener une réflexion et de nous questionner sur ce que c'est aujourd'hui, au 21e siècle, que d'installer des œuvres d'art contemporains dans ces espaces si spécifiques que sont les hôpitaux. Les hôpitaux du 21e siècle, bien sûr. Donc, pour cela, nous allons aussi réaliser de nouveaux projets à travers l'Europe, comme nous le faisons habituellement. Nous allons aussi mettre en avant des œuvres qui ont été créées précédemment, pendant les 10 ans, celles qui peuvent avoir une pertinence par rapport à cette démarche que nous menons. Nous allons éditer un catalogue abécédaire, qui est le premier abécédaire des arts visuels à l'hôpital. Nous essaierons de remettre par écrit et en images toute la réflexion que nous aurons menée tout au long de l'année. Et enfin, ces 10 conférences. La première, aujourd'hui, elle est sur le thème de... on a choisi, en fait, de faire un parcours, un panorama historique, plutôt, un petit retour en arrière pour ouvrir ce cycle sur des origines à nos jours en Europe sur l'art à l'hôpital, dans la mission de l'hôpital. Donc pour cela, je céderai la parole dans quelques minutes à Anne-Marie Autissier qui nous en parlera beaucoup mieux que moi. Je vais juste essayer en quelques mots de vous donner ma petite réflexion rapide sur cette histoire-là qui nous interpelle et nous interroge. On sait que de tout temps, depuis l'aube des temps, depuis l'époque égyptienne et en tout cas à la Grèce antique, au temple d'Asclépios, à Épidaure, déjà les malades venaient se recueillir, en tout cas rencontrer à la fois des médecins et des artistes qui étaient sur ce lieu. Et cette synergie entre l'art et la médecine existait déjà et était fortement pertinente à l'époque. Ensuite, on sait qu'à l'époque, au Moyen-Âge, les premiers hôtels-dieux comme celui-ci, dès le 7e siècle, ont vu le jour, et avec eux, cette mission de l'accueil chrétien s'est développée, et l'art était fortement imprégné, justement l'art que l'on mettait dans ces hôtels-dieux et dans ces hospices était fortement imprégné de l'art religieux. Vous en avez un très bel exemple que pourra développer Anne-Marie aux hospices de Beaune. Il faut savoir que les œuvres étaient installées dans les chapelles qui étaient contiguës aux salles des malades ou bien directement dans les salles des malades. Ça, c'est pendant tout le Moyen-Âge où l'hôtel Dieu, l'hospice, avait pour vocation d'accueillir les malades, d'accueillir les pèlerins, selon la règle de Saint-Benoît, de l'accueil, d'accueillir toute personne malade ou toute personne dans le besoin. Au fil des siècles, on voit que à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, l'hôpital se spécialise de plus en plus, se technicise de plus en plus, et la laïcité va prendre le pas, et donc l'art, en tout cas c'est une question, va être de moins en moins présent, ou s'il est présent, c'est de manière moins importante et moins primordiale en tout cas, il n'y a plus toute son importance. Il y a notamment le chirurgien Tenon qui a édité ses mémoires et qui a eu une grande importance pour l'amélioration des hôpitaux et des réflexions qu'on a commencé à mener sur les nouvelles techniques dans l'hôpital et l'amélioration. Et en termes de construction des hôpitaux, de séparation des espaces, de lumière, etc. Le XXe siècle reprend le pas, notamment dans les années 50, avec, et je vous invite à aller voir cette exposition très intéressante qui se tient en ce moment au musée de la PHP,
sur l'humanisation de l'hôpital. On commence à parler de l'humanisation de l'hôpital et on se pose des questions qui sont, on est dans les années 50, qu'est-ce que c'est qu'accueillir un patient, comment l'accueillir et aussi comment les conditions aussi de travail du personnel hospitalier et également des visiteurs. Donc ces questionnements vont pas forcément avoir trait directement à l'art, mais plutôt on va s'interroger sur comment on accueille correctement un patient, moins de bruit, peut-être plus de lumière, d'ensoleillement, les couleurs également. Et puis on va aussi se questionner sur la nourriture. Il faut savoir que jusqu'à très récemment, et ça c'est très étonnant pour nous, moi je ne viens pas de l'hôpital, que la salle commune a existé pendant très longtemps. C'est très récent qu'on a un lit personnel dans un hôpital. Donc la question à laquelle je veux en venir pour conclure, c'est: et l'art dans tout ça? Au XXIe siècle, où l'on parle d'humanisation, où on parle de qualité à l'hôpital, nous, Art dans la Cité, notre vocation est d'introduire l'art contemporain et les artistes contemporains dans l'hôpital. Je me pose aujourd'hui et je vous pose la question, de toute façon, et le débat est lancé: qu'est-ce que c'est que de mettre de l'art visuel, je parle d'art visuel puisque c'est notre spécificité, dans un hôpital au XXIe siècle, et qu'est-ce que c'est un artiste, que peut faire un artiste aujourd'hui à l'hôpital? Donc, la question étant posée, je cède la parole à Anne-Marie Autissier, qui est sociologue, que nous avons conviée aujourd'hui et qui dirige aussi l'Institut d'études politiques des politiques culturelles à Paris 8, spécialiste des politiques européennes. C'est la raison pour laquelle nous lui avons demandé de dresser un panorama de l'hôpital en Europe des origines à nos jours. Merci.